Cette semaine, l'Argus de l'assurance revient en ouverture d'actualité sur l'accord conclu jeudi 25 octobre entre l'assurance maladie, l'UNOCAM et trois syndicats de médecins libéraux sur les dépassements d'honoraires. Cet accord, conclu à l'arraché après une vingtaine d'heures de négociations, pose trois questions. Les complémentaires santé suivront-elles l'incitation à prendre en charge des dépassements d'honoraires modérés dans le cadre du contrat d'accès aux soins? Certaines iront-elles jusqu'à modifier leurs garanties? Et comment s'assurer que les 150 millions d'euros promis par l'UNOCAM iront bien à la revalorisation du secteur 1? Plusieurs dirigeants du secteur nous apportent leur analyse sur cet accord. Retrouvez-les dès ceux de novembre dans l'Argus de l'assurance.